des routes à mourir d'ennui, vides comme mon compte en banque le 10 du mois. Un camion par-ci, un camion par-là. Ah, un autre encore. Et forcément, comme on n'en croise pas tous les jours, bah on est content. Ah, et lui, il est fatigué. Vous l'aurez compris, je parle de Truckers MP. Truckers MP est un formidable mode multijoueur communautaire pour Euro Truck Simulator 2 et American Truck Simulator, totalement gratuit si vous possédez déjà le jeu sur Steam. Faites de superbes livraisons en rencontrant sur la route tout type de connards. Il n'y a aucune intelligence artificielle, enfin, à en voir certains joueurs, c'est à se demander. Vous ne verrez que très peu de voitures, très peu de circulation, très peu de vie finalement. Sauf dans les grandes villes et lieux d'intérêt. Mais là, si vous n'avez pas un PC de la NASA, c'est ciao! Alors j'ai l'air un peu moqueur quand je présente Truckers MP, mais c'est vrai que je suis méchant, car j'ai beaucoup aimé ma dernière expérience. Bon alors maintenant, sur Truckers MP, on peut conduire des bus, sauf que leur maniabilité n'est pas exactement pareille que celle d'un camion. C'est Euro Truck Simulator ou Eurobus Simulator? Et regardez celui-là, il sait même pas conduire! Heureusement que mes habitudes de pilote avec ma 206 m'ont permis d'esquiver avec finesse ce chauffard. Et alors lui, que fait-il encastré contre ce mur alors que c'est une ligne droite? Et pourquoi ce connard recule alors qu'il peut passer sans problème? Ah, je viens de comprendre, monsieur veut passer sa nuit à l'hôtel. Mais on est en Angleterre ou c'est quoi ce bordel? Il roule dans le sens opposé, à gauche. Il me roule littéralement à la gueule. Ah, et pendant ce temps-là, certains routiers se posent sur le trottoir pour se faire une bouteille. Bon, alors pour ce qui est de la bienveillance et de l'entraide entre routiers, faut quand même l'avouer, elle existe bel et bien sur Truckers MP. Je me suis retrouvé par la magie du hasard en contresens sur l'autoroute. Une situation très peu dangereuse, me direz-vous. Néanmoins, un drame a pu être évité grâce à la courtoisie de ce charmant chauffeur dans ce camion mauve. J'ai alors rendu l'appareil avec cet autre camion qui me doublait sur l'autoroute alors qu'il n'allait pas plus vite que moi. Mais pourquoi les camions se doublent alors qu'ils n'accélèrent pas? C'est vraiment des connards, ils croient trop que la route leur appartient. Je ralentis, appel de phare, il se rabat en sécurité et me remercie. Ah, que c'est beau. Bon, puisque tout le monde est sympa, on continue. Allez, un peu de courtoisie. Pauvre petit camion rose, tu me fais de la peine. Allez, tu peux y aller. Yes, vas-y, hop, prends ton envol. Ouais. Pas de merci? Rien? Eh oh, ce monde est cruel. Bon, et ce qui est bien sur Truckers MP, c'est que quand il y a personne, on se fait chier. Et quand il y a du monde, on se fait chier. Mais faut avouer que quand tout le monde joue le jeu, c'est vraiment sympathique. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous êtes épileptique... Non, je vais rien dire. Mais en tout cas, c'est une vraie discothèque. On est dans un camion ou dans un concert de DJ Snake? Allez, passe, enfoiré! Ah, qu'est-ce que c'est bien de pouvoir rouler de nuit sans se faire éblouir. Parce qu'il n'y a personne! Et non, je plaisante, il y a toujours des connards qui confondent une voie d'insertion avec un parking. Mais monsieur, ceci n'est pas une aire de repos. Ah, je crois que Piezel... n'a plus de diesel. Et regardez-moi ces putains de serveurs de merde. Avance. Non. Ma mission World of Trucks annulée. Oh, ce monde est cruel. En fait, Truckers MP reflète la vraie vie. Il y a des gens super sympas, si tu les énerves, ils changent totalement de comportement, ce qui explique pourquoi certains sont absolument débiles. Les routes peu empruntées sont très monotones, représentatives de la vraie vie à un détail près. C'est que le jour où vous roulerez IRL sur une autoroute pendant 200 km sans voir aucune personne, c'est que vous êtes sûrement le dernier en vie sur la planète. Et dans ce cas-là, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Je voulais juste rouler tranquille, croiser le moins d'imbéciles, ben si j'en ai croisé 1000. Yeah. Truckers MP est hostile, oublie ça si t'es fragile, tu te fais ban quand t'es victime, si t'es con tu deviens admin, c'est la S. S. CS Software.